Didier, et pourtant, il va tomber. Oh. Mal calé. Il y a trop de feu rouge ici. Quelle histoire. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Il n'y a rien qui dit qu'ils sont arrivés en France, que nous on tremble. Oh, regardez-nous trembler. Venez nous voir trembler, on a peur. La patronne est là, elle est dans les parages. La patronne a dit qu'elle est là, donc nous on a peur, on tremble. Nous là on est en France ici, on a tellement peur d'elle qu'elle est rentrée là. Nous on est en train de trembler en France ici, mon Dieu. Elle ne sait pas que nous on travaille. Elle ne sait pas que nous là, on travaille. C'est-à-dire qu'on finit de travailler avant de s'occuper de ton sale con là, ma chérie. Nous, on est en train de travailler, on a fini de travailler. On rentre chez nous maintenant, et puis on va s'occuper de ton cas. Faut croire que tu es trop fort, tu es arrivé, on n'est pas allé à l'aéroport pour t'accueillir, on va aller t'accueillir, pourquoi? Toi, tu es qui? Tu penses que nous, on n'a rien à faire pour aller à l'aéroport pour t'accueillir? C'est pas à l'aéroport qu'on va, nous, on va aller t'attraper, ma chérie. Faut pas parler, toi, tu as nous donné rendez-vous, et puis nous, on court, on vient. C'est que nous, on est bêtes. C'est que nous, on est malades. Ceux qui vont aller t'accueillir à l'aéroport, là, c'est qu'ils sont débiles, ma chère. Tu as t'es vanté pour dire oui, je vous ai donné rendez-vous à ici. Je vous ai donné rendez-vous. Ma chérie, faut jamais aller chez ton ennemi pour aller faire palabre. Tu vas chez toi. Sinon, moi aussi, je peux te donner mon adresse, tu vas venir chez moi, hein, comme tu es forte là. Je peux te donner mon adresse, tu vas venir chez moi, hein, mais tu vas jamais arriver chez moi. Toi-même, tu sais ça. Si tu veux, je te donne mon adresse, tu viens chez moi. Lolo beauté. Je te donne mon adresse, tu peux venir chez moi. Nima Furoto Blanc doit y boudakuru la PPP yeto la douma kafa kabani na dom. Toi, moi, j'ai donné mon adresse, tu peux venir, tu peux pas. Donc, faut pas parler pour faire aux gens, patati et tralala, oui, nous, on travaille, on a une vie en France ici. On travaille. Donc, quand on finit ce qu'on a à faire là, c'est là qu'on s'occupe de ton cas. T'inquiète même pas, tu es pressé. Tu cours. Nous, on arrive, toi, tu cours. On arrive, tu cours, tu fais vidéo, oui, la patronne, la patronne là, tu sais, tu es la patronne de qui, ma chérie? Nous, tu peux, moi personnellement, tu peux pas être ma patronne. Même pas dans tes rêves les plus fous. Toi-même, tu sais ça. Tu es au courant de ça. Toi-même, tu sais, on t'a dit, c'est-à-dire que c'est déjà cacheté dans ton passeport, que Yaka Yaka est ton patron. Tu refuses d'accepter ça. Mais ma chérie, tu as fini par accepter. Tu as fini par accepter, tu Hey. C'est dans quel bouchon il est venu me jeter là? Mon Dieu, Jésus-Marie. Quand c'est plus que c'est nous ça, nous pouvons. Oh là là. Oui, Saint, oui. Lolo Beauté est rentré. Lolo Beauté est à Paris. Lolo Beauté est ci. Lolo Beauté est ça. Ça tremble, c'est chuch. Ma chérie. Ceux qui vont se taire devant toi, une bête comme ça là. Toi, une imbécile arriviste là. Tu dis que tu es riche et puis nous, on n'a pas peur de toi. Ça t'inquiète pas? Tu dis que tu es riche, tu as tous les pouvoirs du monde, mais nous, on n'a pas peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Ça ne fait pas peur, ma chérie. Ah. Faut savoir que tu n'as rien, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ton argent. D'après toi, tu as l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il parle pas haut. C'est l'homme qui parle. Faut laisser le sel ne se dit pas salé. C'est les gens qui disent, ah, vraiment, il a goûté la sauce là, il y a beaucoup de sel dedans. Ah. Toi, tu es pressé comme ça, tu arrives à Paris net, tu penses que nous, ma chérie, tu es arrivé, non? Allons seulement. Regarde le match. Regarde le match. Faut pas te presser pour faire vidéo. Toi, tu es arrivé, tout le monde sait. Tu es arrivé quand? Tu es arrivé à peine matin, là. Moi-même, je dormais matin, là, il me réveille, on m'envoyait plein de vidéos quand Lolo Beauté était à l'aéroport hier. Elle dit, on n'a qu'à venir l'accueillir. Alors, il me suis réveillé, il était déjà 10 h. Elle dit que son avion arrive à 8 h. Mais moi-même, là, j'allais me lever pour aller t'accueillir à l'aéroport. Tu dis que tu arrives par Air France. J'ai vu à un moment donné dans la vidéo, là, où tu dis que, c'est mon boarding, ma carte d'embarquement Air France. Ma chérie, c'est pas Air France que tu as pris. Parce que si tu avais pris Air France, là, tu allais montrer la carte d'embarquement, là, avec le logo de Air France dessus. Comme tu as la grande gueule là, tu allais montrer la carte d'embarquement pour la première fois que tu as pris Air France là, pour nous montrer ça que tu as pris Air France. Mais comme c'est pas Air France que tu as pris là, tu as juste parlé de ça et puis tu es passé à autre chose. Tu as pris un vol qui a fait, comment on appelle ça, escale quelque part. Parce que où tu étais là, c'était pas en Côte d'Ivoire. Tu as fait escale quelque part. Je sais pas où, mais tu as fait escale quelque part. Parce que juste que tu payais à 20 euros là-bas là, c'est pas en Côte d'Ivoire que tu payais ça en tout cas, ma chérie. Tu nous prends pour des bisounours?
Mademoiselle, au moment où on a commencé à voyager en Air France, là, tu n'étais pas née. Tu étais encore à Thiès Salé là-bas dans ton mariage avec l'instituteur, là, en train d'apprendre l'alphabet. En train d'apprendre l'alphabet, ma chérie. Là, tu es arrivé quand en France? Là, tu avais venu nous apprendre, montrer France. Tu es malade ou bien? Que oui, la patronne est arrivée. Hein. Tout le monde est en train de trembler. Ceux qui vont trembler devant toi, le beauté, là, c'est que c'est qu'ils sont bêtes. Hein. Une chienne comme toi, gueulade. Tu sais, tout ce que tu te fais, c'est de gueuler. On ne tombe pas à testicule, sur ton front. Il faut aller opérer, tu ne parles pas de ça. On parle de tout. C'est-à-dire que tu parles de tout sauf de ça. Tellement tu n'es pas prête pour ton papa. Tu es descendu au Maroc, ma chérie. Aéroport où tu étais là, c'était au Maroc. Parce que moi, il y a eu Alpha Blondy au téléphone. Tu penses que toi, tu connais Alpha Blondy mieux que qui? Quand tu as vu Alpha Blondy, mon grand frère, hey, mon vieux père, je t'aime gros comme ça. Faut nous fredonner une chanson. Mais ce qui t'a dit là, c'est un message qui t'a lancé. C'est un message. Il n'a pas chanté où? Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais sauf les personnes intelligentes comprendront que c'est un message qui t'a lancé. Pour dire, ma chérie, c'est que ce à quoi tu joues là, ça va te rattraper. Mais tu n'es pas assez intelligente pour savoir ça. Ton intelligence n'est pas arrivée à ce niveau-là. Donc tu ne peux pas comprendre ça. Bête là. Mon vieux père, faut nous fredonner. Toi, tu as fait Chantal Fabonde. Toi une vermine comme toi. Toi, une fille précaire. Une fille revenue de quartier précaire, de bas quartier, de la terre. Toi, une misérable devant l'Éternel. C'est toi qui vas faire chanter Alpha Blondy. Hein? Quand il y a un zébi qui s'est nous, ça, nous, couvrez. Il y a rien qui se prenne pour ceux qui ne sont pas, hein. Que oui, mon vieux père, faut nous fredonner une chanson. Toi, tu es bâtard ou bien? Tu penses que tu étais devant chose, Lato Crespino ou bien? Et moi, cet imbécile, là. Chienne zaïroise. Carrément, oui. Faut nous fredonner une petite chanson. Et puis, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, Lolo Nyerepri, là. Toi, tu as fait Chantal Falbondi à l'aéroport. Et puis, tu as dit quoi? Tu allais te faire prendre pour te la péter. Pour dire, même toi, tu es mal. Oh, Allah. Kala, Okaïna. C'est qui a appelé, puis il va venir, même. C'est à qui il a expliqué ça, il va venir. Elle est pressée comme ça. La patronne est arrivée. La patronne est arrêtée de m'emmener les messages de les vidéos de cet imbécile-là. Parce que moi, je travaille. J'ai un boulot, moi. Je suis en train de travailler, je suis occupé. Quand je finis avec ce qui est ma vie, parce que c'est mon boulot d'abord qui est ma vie. Quand j'ai fini avec ça, là, je m'occupe des énergumènes, là, les cafards de goût, là. Je m'occupe d'elles. Mais en attendant, là, je travaille d'abord. Faut que je finisse mon boulot. Finis mon boulot, je prends la route et m'aille chez moi maintenant. Quand il est arrivé chez moi, il prend une bonne douche, m'assoit devant ma camarade, puis il a été traité comme d'habitude, comme une merde, moins que rien, parce que c'est ce que tu es. Tu es juste une merde, de goût, un cafard de goût. C'est tout ce que tu es, ma chérie. Toi, tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux envoyer qui où? Toi, tu peux dire quoi à qui? Attends, on se croiser sur moi, puis tu vas voir si tu as le même langage. Attends, on va se croiser. Moi, je ne vais pas aller chez toi, parce que si je vais chez toi, là, ça s'appelle violation à domicile. Voilà. C'est une violation à domicile. Par ici, je te donne mon adresse. Même si tu as poussé des couilles, tu ne peux jamais venir chez moi. De toute façon, il a été pilé comme foutu, là. Il a été pilé dans moitié comme foutu. Toi-même, quand tu as quitté là, tu as dit, qui m'a envoyé là-bas? Si tu veux, je te donne mon adresse aussi, et puis tu viens chez moi. Tu vas voir ce qu'il a été fait. Même dans tes pires, c'est-à-dire que même dans tes pires cauchemars, ce qu'on ne t'aura pas fait, c'est ce qu'il a été fait en réalité. Bâtard, la cafard de goût, et une imbécile comme ça. Toi, tu as fait vidéo pour dire que oui, toi, t'es arrivé, nous, on s'est tué. Non, c'était. Il voulait arriver chez moi avant de faire vidéo, mais il dit, mais non, attends, il a fait vidéo sur la route. Bah, tu peux pas attendre même d'arriver chez moi. Une pauvre lotte comme toi. Pauvre lotte, avec P majuscule. Toi, tu vas effrayer qui est en France, que toi, t'es arrivé. Toi, t'es en France, tu te balades, et nous, on est cachés. Nous, si on se balade, c'est pas moi, je suis en train de quitter le travail pour aller à la maison, là. C'est pas moi, je suis en train de me promener tranquillement, tranquille dans Paris, là. Toi, tu as. Oh, voilà. Attends, on va se rencontrer dans Paris quelque part, peut-être. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va t'apprendre que Paris n'est ni pour ton père, ni pour ta mère. Toi, tu es venu nous trouver dans Paris, ici, là. Tu ne sais pas par où nous on est passé, puis où on est assis. On est assis où on est là. Moi, je suis dans Paris, là. Il n'a jamais eu affaire à la justice. Il n'a jamais eu affaire à la police. Il n'a jamais été en prison comme toi et ton grand frère. Je n'ai pas de casier judiciaire. Donc, pour une première fois, là, peut-être qu'il y a la police pour une première fois, parce qu'il t'aurait cassé ta gueule. Mais casser ça, même ça, regarder derrière moi. Il y a aller voir ce qui se passe à la police. Je n'ai jamais rentré là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, ma chérie, si tu veux là, ton faux profil, tu prends pour m'écrire un message là. Tu ne sais pas que c'est toi. Vierge quelque chose là.
Vierge, il y a un profil vierge, quelque chose qui m'écrit des messages à chaque fois là. Je sais que c'est toi. Si tu veux là, il t'envoie mon adresse par là-bas, puis tu viens me trouver chez moi. Tu vas voir ce qu'il y a à te montrer. Si tu n'es pas reparti ton con sur ton front, appelle-moi chien. Il a déplacé ton con pour mettre ça sur ton front. Et puis il a mis ton cul vers tes oreilles là. Quand tu vas quitter là, tu vas savoir qu'il y a, on rentre pas partout. Bouddha Kourouf Frobassa. Regarde-moi cette arriviste là. Toi, tu as quitté où? Tu as venu t'asseoir. Je sais pas où tu t'as. Là, le beauté tranquillement tranquille. Là, le beauté de Paris. Le beauté imbécile, heureuse, bâtarde. Ta mère con, quoi, c'est moi qui te dis ça. Ta mère con 10 000 fois. Si tu n'es pas content, c'est comme ça. Ça va jamais changer. Moi, il y aurait toujours le temps pour t'insulter. Toujours. Tu es une misérable. Tu resteras misérable. Il est venu faire 10 jours à Paris. Et nous, on partait faire le week-end à on partait faire week-end à Abidjan pour revenir. Nous, on a dit quoi? Moi, j'en connais qui viennent lundi matin à Paris. Le mardi matin, ils reprennent le vol, ils s'en vont. Ils sont venus juste pour un truc, pour un business. Tout fait, ils s'en vont. Tu as dit, toi, tu fais ça, on est foutu. Si toi, tu fais ça, là, on est foutu, ma chérie. Si toi, tu as fait ça, là, on est dans la merde. Pétasse, là. Attends, j'ai bloqué un bâtard qui est en train de me mettre un truc, là. Attendez. Hein. Mets-moi mon truc. Nima Fernandez, ta mère con. Je ne sais pas ce que tu fais dans mon direct, mais ta mère con. Voilà. Ta mère con. Pétasse. On vous bloque ailleurs, vous venez à, on vous bloque à gauche, vous venez à droite. On vous bloque à droite, vous venez à gauche. Mais vous, tant que vous allez venir me trouver là, je vais toujours vous insulter. Des babillés comme ça là. Tu te coupes pour faire une vidéo. J'entends, tu vois, nous on est caché quoi. Moi, il me caché quand il y a le beauté en France. Eh, il y a qu'à radio, il y a qu'à retourner à Bundiali. Il y a qu'à aller m'asseoir à Bundiali tranquillement. Ça, c'est pas mieux pour moi. Il y a qu'à retourner dans mon village. Hey! Voilà. Oh, c'est dans quel bouchon je suis venu me mettre là? Je suis pressé comme ça d'arriver chez moi, il me laver et puis il vient m'occuper de ta vie. Tu me connais où? Quelqu'un qu'on ne connaît pas en appel. Bah, il n'aime pas faire vidéo dans la rue ou je n'aime pas. Mais il a vu ta vidéo, tu es entré, Jean, toi tu es arrivé à Paris, donc nous on est rentré en brousse quoi. Toi tu es malade. Tu es malade. Nous on est rentré en brousse à cause de toi. Bâtarde là, ta mère con au carré, ta mère con tous les jours que tu vois ma vidéo là, ta mère con, à chaque respiration, ta mère con de ta maman, mère con de ton papa, c'est moi qui te dis ça. Je t'ai dit que nous on n'a pas peur de toi, nous on peut pas avoir peur, on peut pas se cacher à Paris, parce que toi tu es arrivé, ça risque pas d'arriver ma chérie, en aucun cas, laisse-moi te rencontrer quelque part, tu vas voir ce qui va se passer, sache que je ne vais pas aller chez toi, je ne vais jamais mettre mes pieds chez toi. De la manière dont tu peux jamais mettre tes pieds chez moi, là. Je peux jamais mettre mes pieds chez toi. Mais lui qui te croise quelque part, dans un restaurant ou, partout, par exemple, il va pas dans boîte de nuit, il va pas dans bar, c'est dans un restaurant, il peut te croiser en France, c'est ou bien au cinéma, ou bien dans un supermarché, ou bien un truc. Tu vas voir ce qu'il va te montrer là-bas. Il se dit, il sait pas que, il pense que parce qu'on est en France, on peut pas frapper quelqu'un. Tu vas être surprise ce jour-là. Tu auras la surprise. Une imbécile, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Tu m'écris tout le temps en inbox avec un profil Vierge Magnifica. C'est ça même, Vierge Magnifica là. C'est toi, tu ne sais pas que c'est toi. C'est toi. Tu es en train de te rallier un peu, mais ça ne marche pas, ma chérie. Je ne peux jamais parler, je ne peux jamais devenir ton ami. Voilà ça même qui est là. Vierge Magnifica là vient d'écrire. Voilà ça qui est là, oh, le message vient de passer. Ta mère con, Vierge Magnifica. C'est elle-même. Mon portable est tombé pour aller sous le siège, excusez-moi. Et il n'est pas bien fini.
presque quoi, même mon gars. Je suis pressé, on dirait diarrhée là. Portable n'arrive pas à rester tranquille. Hein. Il ne peut pas attraper aussi avec une main. Puis... Excusez-moi, j'ai bloqué le portable. Et puis. J'ai oublié de m'arrêter au feu. Voilà. C'est pour ça qu'il n'aime pas faire vidéo. Il préfère rester chez moi tranquillement. Dans la paix du Seigneur, il n'y a rien qui m'empêche de faire ce que je fais.